Ça, c'est la construction de notre nouvelle gare. Pourquoi je dis notre nouvelle gare? Ah, les Marocains, ils disent que je suis chez moi. Donc, désormais, je dis que chez nous ici, là, il y a du boulot. Voici la nouvelle gare qui est en train de se faire construire. Et la grande gare, hein, c'est en train de se faire construire. Donc, les Marocains travaillent. Hein. Ici, il n'y a pas histoire de dire que c'est les étrangers qui vont venir faire ça. Eux-mêmes vont le faire. Mais ça va prendre 5 ans ici même. Là. Ils vont finir ça eux-mêmes. Les Marocains disent que je suis chez moi. Donc, je suis en train de montrer comment notre ville se développe. Ça là, c'est ici au Maroc, tu viens. Et puis, tu voyages en un mois, tu viens. Il y a un changement. Il faut voir au niveau d'ici. Voici une mosquée qu'ils ont construite ici. Au niveau de la station Banschel. Tout ici, dans peu de temps, là, vous verrez qu'il y aura toujours des pavés ici. Des pavés. Tout ici, à bientôt, ça va changer. Dans peu de temps, la nouvelle grande gare, nous qui aimons voyager là, on va prendre plaisir ici. Ah, au regard quoi. Non, les Marocains, ici, font de vous. Vous voyez ça. Tout ça là, c'est les Marocains qui le font. Donc, leur agence reste chez eux. Ils ont vu que la population est en train de s'accroître. Et la première gare là, ils trouvent que c'est pas très grande. Donc, ils sont venus construire encore une grande gare ici. Dans un si peu de temps là, tout ici là, vous aurez une transformation ici. Tout ce coin là, vous aurez une transformation pas possible ici. Regarde devant. Regarde ce joli bâtiment qui est là-bas, les jolis bâtiments qui sont là-bas. Hein? Tout ici, là, ça va être transformé dans quelques mois. Il y aura des jardins ici, tout. Je vais rentrer dedans. Je ne sais pas s'ils vont me chasser. Les Marocains travaillent. Hein. Les ingénieurs, il y a tout ici. C'est ici au Maroc que je suis arrivé. Je ne prends pas les nouvelles en dehors du Maroc. Quand on dit breaking news, ça dit que c'est les journaux, les sites marocains que je trouve les informations. C'est pas comme chez nous là-bas. On voit les chaînes de l'extérieur qui donnent le résultat de nos élections là. Hein? Voici l'intérieur de la gare où les gars là, les cars viendront. Alors cette gare est plus grande que l'autre, la première gare. Hein? Ici là tout est marocain. Hein? Et puis c'est formidable, c'est comme ça. Qu'un pays est intelligent, on dit que ce pays là. C'est eux-mêmes qui travaillent, qui donnent leur plan. Tout. Leur plan, c'est eux-mêmes. Ça, c'est pas les gens qui sont venus donner leur plan pour qu'ils fassent ça. Ils ont décidé eux-mêmes de le faire. Ils ont compris. Moi, quand je dis si ils veulent une information, là, c'est sur les sites, les journaux du Maroc que je prends mes informations. Les journaux en Côte d'Ivoire là-bas, tous les jours en Afrique noire, là, c'est par les autres chaînes qu'on trouve les actualités. Ici au Maroc, c'est sur leur chaîne que tu vas trouver leur actualité. C'est ce qui est bien. Parce que je crois que ici, là, si les Marocains donnaient gratuitement, là, ils allaient, malgré que le Maroc est en train de se développer, si les Marocains donnaient gratuitement, les gens du Déo, là, ils allaient bien faire. Ah, le Maroc est le plus machin. Mais comme ici, là, la loi, c'est la loi. Donc, raison pour laquelle tout ce que le Maroc est en train de faire, là, les gens là, ils ne peuvent même pas voir. Genre, même s'ils voient, mais ils ne peuvent pas parler parce que ce n'est pas comme chez nous. Ils ont l'indépendance. Personne ne leur dicte. On ne leur dicte rien. Il faut essayer. La France a essayé de diminuer le visa des Marocains. Mais ils ont tourné jusqu'à eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont venus chercher réconciliation avec le Maroc. C'est ça là, on dit qu'un pays. Mais si c'était chez nous là-bas, là, les gars allaient se mettre en bas comme ça pour marcher sur nous.
On n'a même pas encore un dirigeant qui va s'arrêter pour dire quelque chose. De la manière qu'on voit aujourd'hui le Niger et puis quoi qu'ils sont très faits, c'est comme ça nous on vit aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi je pense que pour que quelqu'un vienne au pouvoir là, il faudrait qu'on sache ce qu'il veut venir faire. Pas que les gens du terroir, voilà, tous les jours, ils vont venir nous dicter quelque chose. C'est ce qui fait que moi j'aime les Arabes. Quand j'entrais, j'ai cru qu'ils allaient me dire hey. J'ai eu peur pour ne rien. Je suis parti, j'ai fait ce que je devais faire. Mais le vent est trop, donc du coup, j'ai cessé de faire la vidéo.